manger. La nuit c'est grand. Merci Seigneur. Il peut tout. Une vie nouvelle a commencé. Et sur tout le corps du Christ maintenant, jusqu'au retour du Christ, au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Prends ta main droite, mets ton cœur. Dis Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Je ne suis pas une bonne personne. Je suis pas une bonne personne. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis pécheur. Il faut me pardonner. Il faut me pardonner. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Et donne-moi, ta faveur. Ta faveur. Que ton sang lave mon cœur. Mon esprit est mon âme. Père, donne-moi ton Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, pour parler comme Dieu veut, pour penser comme Dieu veut, pour faire les choses comme Dieu veut. Père, que je ne retourne pas chez moi comme je suis venu, mais que je rentre dans ma destinée prophétique, nom de Jésus. Père, jusqu'à la fin de ce temps de prière. Que tout ce que Dieu a promis pour moi, mes mains le possèdent. Que je rentre en possession de mes possessions. Que je sois rétabli à mon poste, comme Dieu me l'a assigné, au nom de Jésus. Éternel, que la honte, la confusion soit dans le camp de tous ceux qui s'attaquent à ma vie, à la vie de ma nation, à la vie des étrangers, qu'ils soient tous confondus. Au nom de Jésus, afin qu'on puisse avoir le roi des cieux et de la terre. Après vous puissiez trouver le Dieu vivant. Je vais t'entendre le Dieu vivant. Je n'ai pas entendu de la convention. Je n'ai pas entendu de la convention. Entendre le Dieu vivant. Le Yahweh, le Jéhovah, le Jibon, l'Éternel. Incitez-nous. Éteindre le Tout-Puissant. Quelqu'un dit avec moi, Jésus-Christ est vivant. Tu vas aller ta voisine, ton voisin le plus proche. Tu vas faire une prière pour lui. En tapant son épaule droite. Dis, on va prier pour quelqu'un un peu. Tu es venu ce matin pour prier. Ce que tu veux que Dieu n'ait pas fait pour toi-même. Tu frappes l'épaule droite de la personne comme ça. Et puis tu lui dis ça. Si tu as dit n'a pas mourir, toi-même tu vas mourir. Si tu dis n'a pas gagner l'argent, toi-même tu vas gagner l'argent. Ce que tu veux toi-même, faut dire à quelqu'un au nom de Jésus.
l'esprit qu'on a besoin. Pose ton bonheur à quelqu'un. Tu n'es pas seul, rien à côté à quelqu'un de là. Frappe le pauvre de terre. Au nom de Jésus. Tout ce que tu veux que Dieu te donne pour nous, tiens quelqu'un au nom de Jésus. Je ne t'amène pas ta prière, faut pas laisser seul. Pas bouger, faut pas prier quelqu'un, faut prier quelqu'un. Le Dieu, tu es seul, tranquille, faut bénir le monde de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La gloire est bien, Seigneur. Amen. Si tu as fini de prier, tu peux dire amen. À la grâce puissante de Dieu du monde. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse pour encore, pour. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Eh bien, il y a quelqu'un qui va arriver à l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sa première fois arriver à l'église? Faut qu'à l'église, c'est famille. Hein? Faut qu'à l'église, c'est famille. Quand tu n'es pas encore rentré souvent, tu dis, c'est quoi on fait là-bas? Ici, on vient prier. C'est la joie, c'est la paix. Quelqu'un m'entend? Ce dimanche, on est venu prier. Et puis, on est aussi venu partager le bonheur. On est venu aussi demander pardon. Ce dimanche, on est venu pour que tout ce que Dieu a dit sur notre vie, il n'a qu'à faire. Amen. Que tu sois musulman, chrétien, étranger ou ivoirien, ce dimanche, c'est notre dimanche. C'est mon dimanche. C'est mon dimanche. Que Dieu se souvienne de moi. Pour que Dieu se rappelle de moi. Alléluia. Amen. On va prier un peu. Dis, on va prier un peu. On va prier un peu. Il faut dire un peu seulement. Dis petit. Acte chapitre 3, verset 18, jusqu'au verset 20. Ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez aller dans votre téléphone. Il y a Play Store. Tu peux télécharger rapidement. Alléluia. Amen. Bon, laisse prier. Dieu fait grâce. C'est dans le sac. C'est pas moi. Donc moi aussi. T'as compris? Alléluia. Amen. Acte chapitre 3, verset 18, verset 20. Mais Dieu accomplit de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, et son Christ devait souffrir. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui était destiné Jésus-Christ. Du temps de rafraîchissement. C'est un temps dans lequel quand on arrive, on ne pleure plus. Il y a quelqu'un. On a un problème, hein? Mais le problème-là ne peut pas nous tuer. Dieu même fait que le problème-là, ça vient, mais tu ne sens pas. Parce que tu es à l'aise. Tout ce que tu veux, Dieu le fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un temps de rafraîchissement, c'est un temps où tu as couru. Tu es fatigué, tu as soif. Et quand on te donne un verre d'eau, tu dis merci à la personne seulement. C'est temps-là qui est arrivé. Que Dieu permette que ce temps arrive à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Que ce soit ivoirien. Tu sois étranger, à partir de la prière de dimanche, que tout le monde a qu'à être à l'aise en Côte d'Ivoire. Même si tu as planté bois, ça n'est pas possible. Amen. Tu as planté caillou, ça n'est pas donné. Tout ce que ta mère va toucher, ça n'est pas marché. Amen. C'est le temps-là qui est arrivé. Tu places ta pouvoir, ça ne marche pas. Tu vas à l'école, tu as fini, il n'y a pas de travail. On ne veut plus le temps ancien, là. On veut le nouveau temps. Ou quand tu mets ton enfant à l'école, quand il dit maman, j'ai fini, il est soutenu. Toi-même, tu es content de ton enfant, parce que les mois qui suivent, on dit on l'a pris dans telle entreprise. Que Dieu donne ce temps à Côte d'Ivoire. Amen. On veut un temps, quand il y a élection, quelqu'un n'a plus peur. Est-ce que tu me comprends? Oui. Quand il y a élection, quelqu'un ne voyage plus, quelqu'un ne suit pas à Côte d'Ivoire. Mais on est en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a rien qui va arriver. Que Dieu donne ce temps à Côte d'Ivoire. Amen. Alléluia. On veut un temps où tout ce que Dieu m'a donné de vivre en Côte d'Ivoire, d'être ivoirien. Après, ils vont mourir, chacun va construire sa maison. Tous ceux qui sont trop montés dans le bus, dans le bacard, dans Woro. Après, ils vont mourir, Dieu n'a qu'à leur propre voiture. Dis, c'est pas ça, on est arrivé dedans. Dis, c'est ce temps, on est arrivé dedans. C'est le temps, on est arrivé dedans. Tous les enfants d'amis au monde, même s'ils sont 12, ils sont 52, chaque enfant n'a qu'à réussir. Au plus, ils vont devenir des migrants. Au plus, ils vont partir en prison. Au plus, tes enfants vont faire, tu vas pleurer, pleurer. Ou pas, ils vont mourir jeunes. Comment ton enfant n'arrive pas? On dit, il est allé au maquis à son retour, voiture la cogner. Ton cœur là, ça te fait mal comme ça. Un enfant, au plus, ça va t'arriver. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Et à ton voisin, il faut dire ce que le pasteur dit là. Est-ce que tu comprends?
Ça veut dire que Dieu n'a qu'à nous donner un temps où maintenant on est content de vivre. Est-ce que tu comprends? Un temps où il y a la joie. Mais la joie, ce n'est pas parce que tu as bu, tu es content. La joie, parce que tout ça marche. Tous tes voisins, c'est vrai, tout le monde va s'entendre à toi. Mais tous les gens sont contre toi, et même ceux qui font, n'ont pas tout béni là. Dieu n'a pas fait ça. Amen. Dieu, amen. Tous les gens prient contre toi, ils prennent ton nom, ils attachent, ils avancent chez lui, même ta main. Quand il finit, lui-même n'a qu'à tomber dedans au nom de Jésus. Donc Dieu vous donne des temps de repos, des temps de paix, longue durée, jusqu'à ce que tu vas même faire la vie, la même fin au monde. Pour plus jamais tu vas souffrir comme avant. Après ce dimanche, que la Côte d'Ivoire ne soit plus la Côte d'Ivoire d'avant. Mais que ça soit meilleur même que la Côte d'Ivoire de Ouchoumoy. Ce soit 10 000 fois meilleur que la Côte d'Ivoire de Bago, la Côte d'Ivoire de Ado, la Côte d'Ivoire de Bétier, la Côte d'Ivoire de Guéhi. On ne veut plus Côte d'Ivoire ça là. On veut Côte d'Ivoire meilleur. Que tu donnes ça aux Ivoiriens, aux étrangers et à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse pour. C'est les gens la nuit quand tu dors et ils prennent Bernie le balai et ils s'envolent vers. Ils sortent de leur corps. C'est les sangotons. C'est les fous. C'est les communs. C'est les sorciers. Ils sont les jaloux. Faut bien suivre. Si tu n'es pas mal attrapé, c'est que tu vas le mal attrapé. Mais quand je vais te parler là, si tu t'es trompé, c'est que tu es mal attrapé. Mais faut bien suivre. Si tu aimes la joie, fais-le toi. 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 Ah, il y a eu beaucoup de besoins à signer. Amen. Ce matin, nous partageons un message. Dis un message. Un thème. Dis un thème. Temps de rafraîchissement. 11 journées de marche. 11e jour. Dis à ton voisin, 11e jour. Thème de ce matin, la Côte d'Ivoire rachetée de l'Éternel. Amen. La Côte d'Ivoire fait que rachetée de l'Éternel. Ils ont vendu le pays. Il faut que Dieu n'a pas racheté la Côte d'Ivoire. Tant que Dieu ne rachète pas, tout ce qu'on fait là, c'est cadeau. Réconciliation là, c'est que l'argent n'est pas là. Ça ne marche pas. C'est que le sacrifice ne va pas venir. Ça ne marche pas. Il faut que Dieu maintenant n'a pas fait quelque chose. Dis-le pourquoi est venu à l'église. Dis-le pourquoi est venu prier. Je n'ai pas de parler à quelqu'un pour demander de devenir chrétien ce matin. S'il y a quelqu'un qui est musulman, pour y amener à l'évoi. Ah, il y a l'amusement par la gamme. Alléluia. Donc ce matin, vous n'êtes pas forcé de devenir chrétien. Mais Dieu va vous parler, on va finir et puis on va rentrer à la maison. On se salue en paix. Est-ce qu'on est d'accord? On peut prier ensemble que Dieu n'a qu'à vous bénir encore. Il n'a qu'à vous bénir encore. Il n'a qu'à vous bénir encore. Au nom de Jésus. Alléluia. La Côte d'Ivoire, rachetée de l'Éternel. Dis avec moi, la Côte d'Ivoire. Racheté de l'Éternel. L'Éternel, c'est lui qui ne meurt jamais, c'est Dieu. Abraham, le Dieu qui prie, on l'appelle l'Éternel. Alléluia. Les musulmans l'appellent Ibrahim. Il appelle Allah Ibrahim. Alléluia. Les musulmans sont beaux. C'est vrai, non? Donc, l'Éternel, c'est lui tout le moment mourir.
Mais lui, il ne m'aime pas. C'est lui, on est venu nous goûter. Et puis, il m'a dit, mon fils va dire aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire, j'ai racheté ça. Amen. Quand ils sont vendus au pays, moi, j'ai racheté. Amen. Et puis, quand tu es le propriétaire de quelque chose, qui peut arracher? Lève ta main comme ça. Pour le Seigneur. Pour faire briller mon étoile. Dans ce pays. Jusqu'à la fin du monde. Parce que tu m'as racheté. Je n'appartiens plus à un sorcier. Ni à un marabout. Ni à un féticheur. Au nom de Jésus. Acclame-le encore. Matthieu 5, verset 23 à 24. Excusez-moi si je vais progresser vite. C'est pour aller vite et puis on pose la question qu'on a posée comme ça. Matthieu chapitre 5, verset 23 et verset 24. Si j'ai duré un peu, excusez-moi. Hein. En fait, on devrait vous donner, vous qui êtes des étrangers parmi nous, on va poser un peu tout à l'heure, mais il y a un petit cadeau que je vais vous donner. Donc, j'étais en train de chercher mon argent pour compléter quoi. Parce que je vais donner 2000 à quelqu'un. C'est trop petit, mon grand-mère. Prenez quelque chose, quand il arrive à me dire, ah, parce que la science, hein. Toi-même, tu vois, ça peut faire quelque chose. Faut dire amen. Amen. Après, il s'allait tourner un peu pour chercher mon mougou. Il y avait laissé quelque part. Dieu dit que ça sera là. Ça est là. Ça est là. On a quand même le Seigneur. Alléluia. Matthieu 5, verset 23 au verset 24. Je lis la parole du Seigneur. Je vous ai prévenu que je vais aller un peu vite. Verset 23, verset 24. Matthieu 5. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, l'autel, c'est ici, à l'église là, où on s'arrête et puis on prie là. Ça veut dire, quand tu as la mosquée devant où il m'appelle là, ça s'appelle l'autel. Quand tout le monde prie, c'est là-bas, on regarde. Tu as dit, si tu es parti prier, tu es parti faire au mot, tu es parti faire au franc. Et puis, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. On n'a pas dit comment tu es fâché. Si tu te rappelles qu'il y a quelqu'un qui est fâché comme toi, Dieu dit, voilà ce que tu vas faire. Verset 24. Laisse là ton offrande. Ne faut pas déposer d'abord, ne faut pas faire. Ne faut pas prier d'abord. Laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier à ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Mais les chrétiens, les musulmans, les Ivoiriens, tout le monde ne connaît pas ça. Si tu viens prier que quelqu'un est fâché contre toi, ce n'est pas bon. Dieu dit, il ne faut pas prier d'abord, pas encore offrir d'abord. La personne, là, on sent la voix. Ah, il te fait quoi? Il explique, il dit, pardon. Si tu ne veux pas, Dieu sait que tu as demandé. Pardon. Si tu viens prier maintenant, ta prière là, ça va. Est-ce que tu as compris? C'est pourquoi on est là. Frère, c'est pourquoi on est là. Il ne faut pas se blaguer. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont fâchés contre les Ivoiriens. Il y a d'autres qui sont fâchés contre Bédier. D'autres ils sont fâchés comme Ado, d'autres ils sont fâchés comme Louchoué, il y a d'autres qui sont fâchés comme Babou. C'est faux. C'est vrai. Vous qui êtes étrangers ici, est-ce que c'est faux? C'est vrai. Voilà. Maintenant aussi, il y a les Ivoiriens aussi. Eux aussi sont fâchés comme des étrangers. Eux aussi sont fâchés comme même président Babou, comme président Ado, comme président Louchoué. D'autres sont fâchés. Vous dites fâchés comme ça là-bas ou avec. Marc 11, verset 25 et 26. Donc Dieu dit, il a parlé maintenant pour ceux qu'on est fâchés contre eux. Maintenant, il parle maintenant à ceux, eux-mêmes, ils sont fâchés là. De leur parler aussi. Marc 11, verset 25, 26. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, c'est toi qui es fâché contre quelqu'un, puis tu veux prier. Voilà ce que Dieu dit. Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais, si vous ne pardonnez pas votre Père, que dans les cieux ne vous pardonnerait pas non plus vos offenses. C'est-à-dire, toute prière que tu fais là, et puis ton cœur là, c'est fâché contre quelqu'un. Même si la personne n'est pas là, tu es fâché contre lui. Il est mort, mais tu es fâché contre lui. Toute prière que tu fais là, ça ne monte pas. Ça retourne contre toi-même. Et nous tous, on est sur la terre là. Tout le monde ne sait pas. On est fâché contre moi, j'ai pris, ça ne marche pas. Je suis fâché contre quelqu'un. J'ai pris, ça ne marche pas. Donc on fait quoi? Mon frère, vraiment. Pardon. Je suis dit pardon à tout. Et puis on s'est prié. C'est ça qu'on doit faire. Donc on s'en est à l'église dimanche. À la mosquée vendredi. Même dans la maison, on prie, on fait la raquette. Le Seigneur dit, il n'est pas l'état. Je vais vous parler quelque chose. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Souvent,
tu as Oustas ou bien pasteur là, il explique mal l'affaire de Dieu, c'est pas les gens qui comprennent pas. Sinon, il est perçu, où tu meurs là, tu deviens quoi? Poussière. Si chrétien est mort, tu deviens quoi? Poussière. C'est faux. Même Covid là, ça tue chez l'Arabe, ça tue à Jérusalem, ça tue en Côte d'Ivoire, ça tue au Mali. C'est faux. Donc, pourquoi il y a problème? Il y a quelqu'un, pourquoi il y a problème? C'est que c'est l'homme qui a un problème. C'est pourquoi, si quelqu'un est fâché contre toi, pour pardonner, pour que toi, ta prière, Dieu n'a qu'à faire. Sinon, je vous assure, il n'y a pas quelqu'un qui est pauvre parmi nous. Il n'y a même pas quelqu'un qui doit louer une maison. Nous tous, on doit avoir notre maison. Avec clé. Amen. Alléluia. Amen. Votre cœur, apprenez à pardonner. Si vous ne savez pas pardonner, Dieu n'a pas oublié le paradis. Si tu es sur la terre, si tu pries, tu as pas besoin de te dire. C'est pourquoi quand tu pries, tu vois rien, tu remarques qu'il y a son voix marabout. Marabout même, il est trop petit par rapport à toi, il te dit aujourd'hui. Parce que si tu commences maintenant à pardonner, ta prière est trop puissante. Même marabout fait tout un médicament contre toi, ça va le tuer lui-même. Tout à l'heure, tu vois. Celui qui fait quelque chose contre toi, ça regarde tout dessus. Mais si ton cœur est blanc, hein. On n'a pas dit que quelqu'un ne vole pas, quelqu'un ne ment pas. Mais pour que quand tu pries, tu vas faire cette chose-là, c'est cœur-là, pardon. Il ne faut pas que tu aies blagué. Tu peux devenir prêtre, voleur, tout, mais si ton cœur n'a pas rempli dedans. Si quand tu marches, quelqu'un te fait quelque chose, tu dis laisse. Lui aussi, tu l'as fait quelque chose, tu demandes pardon. Tout prière que tu fais, tu es laisse. Le français que j'utilise, tout le monde comprend ce niveau. Est-ce que mon niveau de français va bien? Alléluia. C'était mon premier point. Pour vous situer, pourquoi nous sommes là? On est venu aujourd'hui pour que chacun pardonne. Vous qui nous suivez en ligne, pardonnez. Vous tous encore une fois qui me regardez actuellement, pardonnez. Parce que si on ne pardonne pas, on ne peut pas aller devant. Regardez vous-même. On ne sait même pas si demain lundi, ça va gâter. C'est faux. On ne sait même pas si le mois prochain, ça va gâter. Mais là, il y a des étrangers parmi nous. Toujours, ils ont fait quelque chose. Ils n'ont pas fait quelque chose. C'est eux, enfin. C'est faux. Il y a des gens parmi nous, si vous êtes étrangers, est-ce que vous connaissez pas lui là? Vous avez une autre téléphone à nous. Mais si c'est gâté, les mots, vous frappez pas nous. C'est ça que Dieu m'a dit, réglé. Faut qu'on a réglé ça. Tu as placé ton Seigneur à ton Dieu de vanne. Il va arriver à venir brûler sa carte. Dis, ça n'est pas fini maintenant. C'est quelle parole en fait, ça ne finit pas. Mets ta main avec quelqu'un. Il faut dire, c'est quelle parole ça ne finit pas. Même si peu bon, ils ont fini. Alléluia. Pour Jésus et puis Satan, ils ont fini même. C'est pour nous là, depuis ça ne finit pas. Ça fait 10 ans, 20 ans. Parole ça, il attend quand on lui a dit, comment on a fait ça? Vous connaissez ça? Dit, par là, tu as la finie. Donc, ivoirien, premier point que Dieu me dit de Dieu aux ivoiriens, pardonnez. Un autre point, revenez à Dieu. Que tu sois étranger, que tu sois ivoirien, tout le monde n'a qu'à revenir à Dieu. Si on revient à Dieu là, on va changer. Mais si on ne revient pas à Dieu, on va encore continuer les bêtises. Ézéchiel 18, verset 31 à 32. Ils sont rappelés. Ézéchiel chapitre 18, verset 31 à 32. Quand on vient à l'église, chez nous à l'église, chaque chose que le pasteur Isabelle Moustad dit, il doit montrer que c'est un ami. Si tu n'as pas montré Isabelle, il ment. Tu comprends maintenant? Tu ne comprends rien qu'on fait. Quand le pasteur dit quelque chose, il doit lui montrer que c'est la parole de Dieu. C'est ça, tu vois, Moustad quand il parle, et puis il dit souvent là. Et puis il commence à interpréter. C'est la même chose. Est-ce qu'il y a une différence? Tu t'es d'accord, il y a même plus fort. Amen. Et c'est quand Jésus, verset 31-32. Tout le monde suit? Amen. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi vous allez mourir encore? Pourquoi vous allez brûler quelqu'un encore? Pourquoi vous m'acheter quelqu'un encore? Pourquoi? Car je ne décide pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. L'Éternel dit, convertissez-vous donc et vivez. Dieu veut qu'on se convertir et puis on va vivre. Tout à l'heure, il a montré dans le premier verset de Actes chapitre 3, verset 18 au verset 20, que si on se convertit, on ne se répand des mauvaises choses, Dieu va nous donner le temps de réfléchir. Le Seigneur dit pour vivre aussi là, pour qu'on soit en paix, on soit à l'aise, on doit se convertir. Alléluia. Mais dans le même temps, il faut te convertir. Il faut quitter dans la colère, dans la rancune, les hongkou. Tu critiques les gens pourquoi? Parce que ça sent, ça a été mis. Alléluia! Alléluia! Amen! Dis deuxième point. Dieu dit de parler encore aux Ivoiriens.
Ne méprisez pas l'étranger dans votre pays. Dit deuxième point, il faut dire écoutez bien. Ne méprisez pas l'étranger dans votre pays. Deutéronome 24, verset 14 à 19. Vérifions. Deutéronome chapitre 14, non, chapitre 24, verset 14 au verset 19. Deutéronome chapitre 24, verset 14 au verset 19. Tout le monde suit? Nous y sommes? Vous ne répondez pas, vous n'avez pas vu. Cherchez, hein, parce que nous, les pasteurs, il y a beaucoup qui mentent. Il dit quelque chose, on regarde la Bible, là, c'est pas dans la Bible, il a menti. Si tu remarques le passé, il ment, il lève la main, il dit passé. Ça, là, c'est pas dans la Bible. Amen? Deutéronome 24, verset 14 au verset 19. Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous avez chaud? Les gens savaient un peu, ils sont un peu cassés. C'est pas comme ça? Que Dieu me donne beaucoup d'argent encore. Et en vrai dire, là, ça sera comme dans le frigo. Vous mettez ça, c'est bon. C'est bon comme ça. Mon frère, tu es béni encore. Et reçois pour. Deutéronome 24, verset 14 à 19. Le corbeau. Non, je suis obligé. Deutéronome 24. Deutéronome 24, verset 14 au verset 19. Nous y sommes tous. Amen. Tu n'opprimeras point de mercenaires, pauvres et indigents. Qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays. Dans tes ports. C'est Bible qui dit ça. Est-ce que les chrétiens voient ça? C'est ce que Dieu dit. Verset 15. Je continue de lire la lettre. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil. Car il est pauvre. Et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Tu sais, c'est un étranger. Même si tu es pasteur dans ton pays, tu as fait du mal à l'étranger. S'il allait prier contre toi, prier à sa marche. Tu sais, dans la Bible, ça va dedans. Tu n'as pas vu, vous n'avez pas vu. Verset 16. On ne fera point mourir les pères pour les enfants. Même si son papa l'a déconné, son papa est mort, mais l'enfant il n'a rien fait. Il y a des gens parmi nous, ils sont arrivés à 3 ans en Côte d'Ivoire, ils n'ont rien fait. Quand il y avait mon père, il n'était pas ici. Le vieux même qui avait parlé, il est mort. Est-ce que l'enfant n'a rien fait? Il y a des enfants qui étaient d'avant. Ils sont venus à les frères. Ils disent, ce n'est pas normal. Et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Tu ne porteras point atteinte au droit de l'étranger et de l'orphelin. Ils ont aussi un droit dans leur pays. Même si ce ne sont pas ivoiriens, ils ont le droit aussi de vivre. Dis, ils ont le droit. Ce n'est pas l'homme comme toi. Tout le monde dit, ce n'est pas l'homme comme toi. Tu ne dois pas toucher le droit. Est-ce que tu comprends? Tu ne prendras point en charge le vêtement de l'aveugle. Tu te souviendras que tu as été toi-même esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Tu m'entends? Verset 19. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne reprendras point pour la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Tiens. Est-ce que tu as entendu? Amen. Tu es béni aussi quand tu bénis l'étranger. Lui n'a pas de village habitant. Il n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Si tu es gâté, tu n'as plus rien, c'est chaud, tu peux aller au village. Là-bas, tu ne fais pas maison, c'est chez toi. Tu veux prendre d'abord machette, aller dans le champ. C'est faux. Mais lui, c'est gâté, il va aller dans quel village? Si tu vas rentrer dans son pays, c'est la mort. Mais petit qu'il a brûlé la gagne encore là, vous les policiers, vous les arrachez ça. Oui, il y a quoi même? Tu vois, les étrangers sont en robe comme ça. On traite des chiens. Donc, ils ont levé la pile. Ils vont le moment fuir dans le porte-monnaie là. Le monsieur a poussé son auto. Tu prends pour l'argent. Faut dire, c'est pour toi. Il a volé. Dieu dit, tu vas manger la sueur de ton. Dit, il va y en a qu'à arrêter les bêtises. Mais t'as même quoi dire, arrête les bêtises. Dieu n'est pas dans ça. Ah, tu viens, moi, il parlait de paix. Lui, t'es fâché, il n'a qu'à participer, j'étais en bourse. Ça vaut bien. C'est ça, les gens ne peuvent pas me rappeler, parce que les patients disent, on a qu'à te lutter. Car nous aussi, on est étrangers. Vous voyez, vous-même, les gouvernements sont étrangers aussi. Quelque part, dans un autre pays, il n'y a pas d'Ivoirien. Faites comme ça, vous les êtes étrangers aussi, vous êtes étrangers. Quelque part.
sur la terre, il va aller aussi étranger. Parce que la terre, c'est pas pour toi. Tu as mouru, c'est lui qui va t'appeler. En la main du Seigneur. Alléluia. Exode 22, verset 21 ou verset 24. Exode 22, verset 21 ou verset 24. Quelqu'un suit? Est-ce que quelqu'un suit le nom? Exode chapitre 22, verset 21 ou verset 24. Je fais la lecture. Tu ne maltraiteras point l'étranger. Tu ne maltraiteras point l'étranger. Est-ce qu'il va rien entendre? On ne doit pas les maltraiter. Jamais. Même s'ils ont fait quelque chose, il y a la police qui est là. Alors là-bas, arrivez. Tu ne maltraiteras point l'étranger. Et tu ne l'opprimeras point. Car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Il y a Ivoirien ailleurs. Tu ne l'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Alléluia. Et si tu les affliges, je peux écouter. Si tu les affliges, ça veut dire que tu leur fais quelque chose de mauvais. Et qu'ils viennent à moi, ça veut dire qu'ils vont prier Dieu. J'entendrai leur cri. Dieu dit ce qu'ils vont dire. Il va faire. Même s'il a dit, l'étranger t'a dit, toi, la présence, ils ne vont pas réussir, ils ne vont pas réussir. Si tu as dit ton mari va devenir fou, il va devenir fou. C'est pas moi qui ai écrit, c'est écrit ici. Le Seigneur dit, si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leur cri. Ma colère s'enflammera et je détruirai par l'épée. Je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. C'est ça qui arrive à quoi ils voient. Ils sont morts, les Ivoiriens, les mauvais. C'est ça. Dieu dit, si vous continuez encore, vous allez mourir encore. Dis à Aïssabari. Dis Ivoirien, Yaki. Comment on dit en bêté Yaki? Yaya. Yayao. Ensuite, Yaya. Alléluia. Dis Samari. Yaki. Tout le monde, Yaya. Amen. Dis pas sa prêche. Si tu es d'accord, vous me dites prêche. Hébreux 11, verset 13. Dieu dit quoi? Hébreux 11, verset 13. Ce verset-là, faut pas les Ivoiriens oublier ça. Tous les gens qui sont Ivoiriens, n'oubliez pas verset ça. Hébreux 11, verset 13. Gardez bien verset ça. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Voilà ce que Dieu dit. On est nous tous des voyageurs. C'est comme tu es dans la voiture, quand tu arrives à la gare, c'est pas là que tu vas. Tu es parti à Mangori, donc tu n'as pas descendu là. Donc tu passes. La terre, c'est le passage. Tu es parti au paradis. Donc si Dieu a fait que toi tu es né au Mali, on va m'attraper les gens qui sont au Mali. Si toi tu as fait que tu es né en Afrique du Sud, on va m'attraper les gens qui viennent là-bas. Dieu pourrait faire que toi tu es né dans notre pays. Quelqu'un me comprend? Est-ce que on est nous tous des voyageurs, c'est ce que Dieu dit. On est tous des voyageurs. S'il vous plaît, l'heure est grave. Quand tu es voyageur, ça veut dire où tu es là. C'est pas chez toi. Dieu nous dit, nous tous, vous-même qui pensez que c'est chez vous là, il dit vous êtes des voyageurs, nous tous. Parce que même je suis voyageur. Quand il voit là, c'est pas après les mon blague ici. Ton blague ici pour vous charger. Vous avez quelqu'un pour charger? Il y a quoi? Dis allons doucement. Dis allons doucement. Troisième point. On a déconné. Nous les Ivoiriens, on a fait ce qui est mauvais. Mais Dieu nous a rachetés. Dieu a eu pitié de nous racheter. Dit Dieu nous a rachetés. Apocalypse 5, verset 1 à 10. Dieu il aime l'homme. Si tout le monde était comme Dieu pense, je vous assure, il n'y a même pas quelqu'un qui doit souffrir sur la terre. Donc que là, c'est mauvais, c'est pas un souffle. Apocalypse 5, verset 1 à 10. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. C'est l'un des sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui a dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé dit d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le ruisseau de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux.
Verset 6. Et je vis au milieu du trône et les quatre vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui est là comme immolé. Il avait sept cornes et sept cieux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés partout sur la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il lui prit le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et les coupes d'or remplies de parfum, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Si vous les citoyens, vous voulez régner sur la terre, devenez plus puissants même que la Russie, la France, les États-Unis, la Chine. Pratiquez l'amour. Pratiquez l'hospitalité. Aimez votre prochain. Étant donné que Dieu nous a rachetés, acceptez de marcher dans la voie du Seigneur. Changez vos cœurs. Changez vos cœurs. Vous êtes trop fiers de vous, Ivoiriens. Même si dans votre hymne national, vous avez écrit fiers Ivoiriens, personne ne peut rejeter sa nationalité. Même si dans ton pays, c'est moi, je m'en vais là-bas. Mais tu aimes ton pays, on est mieux ce soir. N'exagérez pas dans votre amour pour votre patrie. Aimez votre pays, ne pas les détester ceux qui sont dans votre pays. Alléluia. Amen. Les ampoules qu'on allume ici là, c'est encore de votre fabrique. On va les prêter vous payer, non? C'est faux. Mais tout le monde est pour vous prêcher là. C'est encore de votre fabrique. On va prêter quelque part pour venir, non? Diable, il y a quoi? Faut dire, il y a quoi? Vous n'avez rien. Vous, si vous demandez ailleurs, c'est quelqu'un qui vient aussi manger dans ton pays. Mais c'est parce qu'il n'a pas aussi qu'il allait chercher. Ça faut bien savoir. Dis-le-moi, si Dieu ne voulait pas qu'il n'a qu'à voir pour Binabé, qu'il n'a qu'à voir Libanais, n'a qu'à voir Bethel, c'est pour les Libanais qui sont venus sur la terre. T'es pas encore qu'elle est noire, arrêtez ça. Il y a Gagné aussi qui est là. Il y a Benoît aussi qui est là. Il y a Camerounais qui est là. Il y a Camerounais qui est là. Il y a Nigériens qui est là. Il y a Chinois qui est là. Il y a Indien. Dieu a créé tous les peuples. Il n'a pas crié, il y a toutes les nations. Il les a rachetés tous. Dieu les a rachetés nous tous. Ce n'est pas à toi qu'il va se mettre à racheter. Il aime tout le pays. Alléluia. Amen. Que les Ivoiriens changent. Dis avec moi, que les Ivoiriens changent. Pour que Dieu change le pays. Actuellement, il y en a un qui a épuisé ma chaise. Il a tapé, ils vont te découper. Dis, tu vas te découper toi-même. J'ai pris Dieu que quand tu vas lancer, boum, tu n'as qu'à prendre ta tête. Alléluia. Désolé, hein. Tous les livres des saints dans le pays là, tu n'as qu'à prendre vous-même vos maisons. La fin de la se trouver au verset dans le pays. Quand tu as que vous avez une peur, tu es vaincu. Il faut dire que tu es vaincu. Tous les gens qui veulent tuer cette année là, et même le cas mourir. Amen. Et voilà tout ça pour nous. Seigneur, il est bien. Alléluia. Acclame le Seigneur encore. Alléluia. Quatrième point. Voici la religion que Dieu veut pour nous les Ivoiriens. Dieu n'a jamais dit qu'il faut devenir chrétien, faut devenir musulman. C'est nous, on choisit. Hein. Tu vois, voilà la religion que Dieu veut. Faut dire, pasteur, c'est quelle religion? Pour que nous les Ivoiriens, ce que l'on a perdu, on va prendre. Voilà la religion que Dieu veut. Tu es en Côte d'Ivoire, tu veux réussir ici. Voilà la religion que Dieu veut. Il n'a jamais dit qu'il faut devenir chrétien. Il n'a jamais dit qu'il faut devenir musulman. C'est que Dieu l'a dit. Il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend, et puis l'ouvre, il rentre chez lui. Lui et moi, on va souper ensemble, et puis il va le paradis. Dieu est Dieu dans la vie de tout le monde. Même il y a un pasteur, il va le paradis. Voilà, il est là. Je vous dis à lui. Il y a un pasteur, il va rentrer au paradis. Même si Dieu m'a dit qu'il faut rentrer, tout le monde dit non, non, lui, là, il est pince. Quand il va dans la famille, il est trop mauvais. Il y a l'imam, bon, qui est porté beaucoup, il vient devant Allah et toi, tu n'es pas beaucoup. Donc, afin de rentrer au paradis, afin de religion, pas parce que tu es assis à l'église, ou tu vas à la mosquée, ou tu vas faire Bouddha, ou Vautou, non. Dis, parce que montre-nous ce que Dieu veut. Jacques chapitre 1, verset 27. Jacques chapitre 1, verset 27. Il a te montré ce que Dieu veut. Quand tu vas venir voir, va faire ça, c'est la meilleure religion. Tout le reste, c'est patati patata.
Jacques chapitre 1, verset 26. Tout le monde y est? Amen. Ok, il faut lire ce que tu as trouvé avant moi. Jacques chapitre 1, verset 27. Oui. La religion pue et sans tache. La religion, écoute bien, hein. S'il y a un nom que Dieu a donné pour religion, la religion pue et plus sans tache que Dieu, il aime, voilà ça. Faut écouter. Devant Dieu, notre Père. Devant Dieu. Consiste à visiter les orphelins. Les orphelins. Dis les jeunes n'ont rien. Continue. Et les veuves. Les veuves. Dans leur affliction. Dans leur affliction. Et à se préserver des souillures du monde. Ça veut dire qu'on ne peut pas entrer dans le péché. Et puis les jeunes n'ont rien, pour les aider. Dieu dit si tu fais ça, tu vas parler. Ça veut dire que tu es chrétien. Non. Ça veut dire que tu es musulman. Voilà la meilleure religion que Dieu lui a dit dans la Bible. Tu vois le passé vous ment. Moi, je te dis la vérité. Si ton cœur se bon, mais les gens qui souffrent, et puis toi-même tu ne fais pas de mauvaises choses, si tu es mort, tu vas au paradis, même si tu n'es pas à l'église, même si tu vas à la mosquée. Donc, matin, ils sont à l'église, matin, ils sont à la mosquée. Mais notre cœur est noir, si on est mort, on va nous faire. Voilà. Tiens, même plus toi-même. Vas-y, plus toi-même. Tu vas passer vite, ça ne donne pas. Quand il y a prié, quand il y a montré le verset là, c'est fait de la maladie. Et si pas l'éternel, Dieu me montre que ton papa il est sorcier. Faut que ça ne donne pas par la vie. Dédit tout. Dédit tout. Dédit tout. Dédit tout. Dédit tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme le Seigneur encore. Ah. Hey. Qui veut se blaguer? Ta voisine vient. Elle n'a pas fait exprès. Son appel avait chier devant ta porte. Est-ce que c'est ta voisine qui a chié? Depuis un mois, tu m'insultes son nom. Elle vient à son mari le soir. Voici. Tu sais, tu es chrétien, si musulman. C'est la même chose partout. Et il veut même, je ne sais pas pourquoi il a chié là-bas. On a chanté IB, ça fait un mois. IB, on l'a blessé parce qu'il a chié là-bas. Mais tu vois, voici le chrétien. Et là, il est sorcier. Même si à nouveau, il y a quelqu'un qui vient prendre maison. Quand il cause avec elle, papa, ma chère femme, elle est sorcier. Toi, le chrétien. C'est ça qui est venu. On exagère trop. Tu es musulman, tu es chrétien. Pardon, c'est ton cœur, c'est que tu fais là. C'est ça que le paradis. Pourquoi il n'a pas dit? Si tu ne veux pas qu'il prenne un cachier, tu es chrétien, va payer un paquet de couches. Donne la voisine, tiens. Moi, ça pour là. Voilà ça. Elle va porter ça à son enfant, il va plus chier devant ta porte. Alléluia. Amen. C'est que il dit là, c'est faux. Si c'est faux, tu sors, pas élément. Mais si c'est vrai, faut m'encourager, attends-moi un peu. Alléluia. Faut les conseils de la chambre que tu veux. Matthieu, verset 32 à 46. Matthieu 25, verset 32 à 46. Matthieu 25, verset 32 à 46. C'est très long, je ne vais pas lire, mais je vais résumer simplement. Il est question de Jésus. De lire. Ok, je vais lire. Matthieu 25. Ah, elle dit Dieu va te bénir. Je vais lire. En regardant le Seigneur, Matthieu 25, verset 32 au verset 46. Matthieu, verset 32, verset 46. Je lis rapidement. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera le vent avec les autres comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Jugement dernier là, ça Dieu explique. Que toutes les nations, tous les pays de là-bas, l'Ivoirien sont là. Toutes les nations seront devant Dieu. Il va séparer les mauvais hommes avec les bons hommes, il va les mettre à côté à côté. Maintenant, les mauvais hommes, les vont demander à Dieu, pourquoi tu nous mets ici? Les points aussi vont dire, pourquoi ceux-là sont restés là-bas? Quand nous sommes mourus là, on va dans le même coin. Mais je vais venir là, je vais dire, toi, quitte là-bas. Toi, quitte là-bas. Il va nous prier. Ceux qui sont bons, on l'appelle brebis. Ceux qui sont mauvais là, Dieu dit, c'est bouc. Bouc là, c'est cabri. Brebis là, c'est mouton. Blanc, bien blanc là, c'est pas la noix de l'air. Alléluia! Quelqu'un comprend? C'est Dieu en train d'expliquer comment je vais venir va faire. Verset qui suit. Verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. J'ai eu de rentrer dans le paradis. Car j'ai eu faim
C'est ce que Dieu dit. Hein? Est-ce que tu as vu Dieu? Derrière ce que Dieu dit. Il dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. C'est Dieu qui dit ça. Je vais donner la grâce que tu vas demander. On prie, on fait beaucoup de choses dans la grâce que tu vas demander. Est-ce que quand quelqu'un soit te donne de l'eau? Est-ce que quand tu manges de l'eau à quelqu'un? Quand il y a quelqu'un qui est étranger, il se dit, viens, reste chez moi. Quand même parler de quelqu'un dehors qui ne peut pas payer une maison, toi tu as l'argent, tu peux payer même mon frère. J'ai payé, c'est combien? Il dit 40 000 bons. J'ai donné un mois pour courir. Si il peut courir, tu peux dire, ah, bon, j'ai un petit coin que là, viens t'aider de débrouiller ici. Au courir, courir, tu as parti. Ce n'est pas son pays. Il est étranger. Je dis, lui qui fait comme ça. Regardez la suite avec moi, regarde la suite. J'étais nu, vous m'avez battu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. Si quelqu'un est en prison, tu dois le rendre visite là. Peut-être que tu as un cousin ou un ami, un frère, ils l'ont mis en tabac. Est-ce que depuis en tabac, tu vas le voir? Je dis, si tu as quelqu'un qui est parti en prison, tu n'as jamais battu le voir, tu es mort, tu vas au paradis. Il te dit aujourd'hui, ton frère est malade, il va voir l'hôpital. Nous, ce qu'il va faire un mois là-bas, toi, tu n'es jamais parti le voir. On n'a pas eu de l'argent. Dieu dit, si tu n'es jamais parti le voir, il faut dire même mon frère, la peau. Si il est mort, toi tu es mort aussi, tu vas en enfer. Est-ce que tu me comprends? Tu as vu ta soeur, son bagne est déchiré. C'est même pas le pot. Toi tu as beaucoup de bagne, tu n'as pas donné de bagne sur la carte cachée. Si tu es mort, tu n'as pas parti. Est-ce que tu me comprends? C'est ça. Ils vont demander à Jésus, mais c'est comme on t'a vu, tu es parti en prison et que tu n'as pas bâti là-bas. Elle pense que quand Dieu va venir sur la terre, il va dire, mais voici, c'est moi Dieu. Maintenant, je suis allé dire, toutes les fois que tu es sur la terre, tu as vu quelqu'un, il a eu faim, il dit, donne-moi manger, il n'a pas donné. C'est moi Dieu qui a fait ça. Et puis, il dit, hein? Mais moi, je pense que ma voisine, c'est moi. Il dit, non, hein? Toutes les fois que tu as vu quelqu'un, il est parti en prison, c'est ton frère, ta camarade et ton collègue. Tu n'es jamais parti lui dire, mon frère, voilà un tueur de lit pour prendre des défenses. C'est à moi Dieu qui a fait ça. Pour la fois que tu as eu un parent ou un ami qui était à l'hôpital, tu n'es même pas parti le visiter, c'est à moi Dieu qui a fait ça. Tu me comprends? Pour la fois que quelqu'un a eu faim, il avait soif, tu ne l'as pas aidé, c'est moi. Ça veut dire que quelqu'un qui a un problème, tu ne l'as pas aidé, c'est à Dieu qui a fait ça. Tu vois, tu marches, quelqu'un te dit, grand frère, donne-moi 100 francs. Il y a des transports pour partir à jamais. Tu dis, qu'est-ce que moi? Dieu dit, c'est à lui qui a fait ça. C'est ça d'aller régler là-bas. Donc, il faut commencer à te rappeler tous les gens que tu as chié pour lui. On dit derrière moi, imbécile, tu ne le connais pas maintenant, insulté. Tu vois, il y a mort sur lui. Il sent mauvais la pisser. Donc, beaucoup de personnes viennent. Et puis, il vient ton temps, j'ai faim. Il faut lui donner. C'est Dieu qui est venu comme ça. C'est ça que tu vas prendre pour donner le paradis. Mais les gens n'arrivent pas ça. Et parce qu'à faire le paradis, c'est venu prêcher, porter habit, dormir à l'église. Non! Paradis, là, pour avoir, c'est tout ce que tu fais pour les gens. Je vous dis le secret aujourd'hui. Parce que si on veut quelqu'un qui a fait bonne chose, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Foi. Nous tous sommes les pécheurs. Chrétiens ou musulmans ou même présents les pécheurs. Donc, c'est quoi tu fais pour les gens? Est-ce que dans ta vie là, les gens étaient contents? Est-ce que tu réussis ça que les gens? C'est ça. Pour avoir plus de bonheur, la joie dans la vie des gens, tu vas voir que tu vas multiplier ça dans ta propre vie. À travers le Dieu du vivant. Alléluia. Avant dernier point, mon message est presque fini. Avant dernier point, avant de quitter ici. Nous les Ivoiriens et vous les étrangers, nous tous, on a beaucoup péché. On a beaucoup de défauts. Mais Dieu nous demande deux choses. L'amour et l'hospitalité. Dieu veut qu'on demeure dans l'amour et l'hospitalité. Cela notre force à nous Ivoiriens. Et voyez, et les étrangers ici, ceux qui vont aimer et qui seront hospitaliers, ce sera leur force. Donc l'avenir de la Côte d'Ivoire repose sur l'amour et l'hospitalité. Soyez accueillants, chaque part. Matthieu 7, verset 1 à 14. Matthieu chapitre 7, verset 1, verset 14. Je lis rapidement, tout le monde suit. Matthieu 1, verset 7 ou 14. Ne juge point. Toi, tu ne connais pas après la comment c'est passé. Tu dis, n'est pas bon. Bon, frappez le même. Oh, j'étais dans la prison là-bas. Oh, jamais tu as dit ça. Souvent, je marche, je vais donner frapper un voleur. Quand il me rappelle ce que Dieu dit, même s'il va me la voler, il ment. Tous les jours, il va demander pardon.
Et le jour où on me met dans tout là, c'est ton complice. Il dit, mon frère, je suis pasteur. Non, tout là-bas, vous êtes tous un voleur. On ne met pas un voleur. Mais si les démons pardonnez. Quand vous fuyez, on regarde ma qualité, on dit, pardon, pasteur, c'est pas que tu es pasteur. Il dit, non, mais laissez-le. C'est maintenant qu'ils vont le laisser. On dit, mais la volée, il dit, oui, mais on n'a pas fait comment. On n'a pas le tué. Moi-même, j'étais parti en prison. Moi, je volais aussi avant, il dit, oui. On n'a pas parlé d'Adéry. Ah, il est volé aussi. Aïe, si tu as amusé à couper ta chaîne, chacha. Aïe, il est volé. Et c'est parti, et c'est allé, il est mis. Propre, bâtiment C, après, c'est le bâtiment B. Tranquillement. Tranquille. Aïe. Amen. J'ai menti aussi. Parce que quelqu'un a menti. Tu vas le tuer. Mon frère, pardon, faut pas le tuer. Parce que je remarque que ce que j'étais avant, je ne suis plus ça. Même les gens qui me connaissent, ils disent, tiens, ça a changé. Mais si moi, il a changé comme ça, c'est que quelqu'un peut changer aussi. Donc si on veut tuer tous les voleurs, mais c'est que tout le monde a mouru. C'est là qu'il y a des membres, vous-même, là, vous n'avez jamais voulu. Ils ont dit qu'il y a un voyant sang, il dit toi, un voyant sang. Alléluia. Tout le monde a déjà volé. Ou bien, tout le monde a déjà volé. Tout le monde a déjà menti. Parce que pour lui, là, on l'a attrapé dans le tuer. Non, sinon, tu vas parler là, ils ont mis parler de la vidéo. Elle va trop payer. Il doit même la faire, non, non. Gogue t'a dégagé, ça va être. Alléluia. Il dit non. Il dit, on n'a pas aller dans le monde. Dis, bolo, bolo. On n'a qu'à plaire. Tiens, là, tu peux le faire pas pour les gens, bref, box, coup, elle a plaisé, tout le monde, ça va bien, elle est bonnet. Toi-même, tu n'as même mis ailleurs. Alléluia. Oh, blablé. Sinon, si tu es arrivé au chemin de Dieu m'a dit, tu as frappé ta femme jusqu'à quand tu veux la tuer. Parce que tu l'as attrapé, ils ont envoyé dans son contact, chérie, tu me manques. Est-ce que chérie, tu me manques là? C'est qui qu'ils ont enlevé depuis la minute. Ça peut être quelqu'un qu'elle connaît avant, mais il va être à des foyers. Donc il envoie un message comme ça. Faut regarder ce qu'elle a écrit. Si elle a mis moi aussi, tu me demandes, là il y a pas là. Mais faut pas l'attendre. Pas appeler ta soeur, même pas appeler au sas. Alors, imam, madame, elle te connaît. Et puis on va venir régler ça. Ou bien, dis, c'est pas normal. C'est normal. Jusqu'à il y a des gens qui prennent ma chaîne, qui te coupent, femme là. Ou bien tu vois prendre les temps ainsi, diversifier les messieurs. Ou bien elle dit rien. Son cœur, ça fait tout bien en tout coup. On dirait qu'elle est caméléon. Ça change à chaque heure. Dis qu'elle est caméléon. Ça change à chaque heure. Il y a des gens qui la voient, tu dis, voilà, bonne femme. Il y a des gens qui disent, ça c'est des points mariés. Dis la femme comme ça. Elle parle pas. Elle va aller voir à la dit. Elle va faire le médicament, tu vas comme marcher, ça ne s'élève plus. Tu te promènes partout, tu vas coucher comme ça. Alléluia! Amen! Dis tout ça là aussi. Quand on va aller loin, je vais me dire, tu vas aller lever à Dieu. C'est toi qui as mis le monsieur dans le monde. Dis, c'est toi qui l'as mis au monde. Quand tu es rentré ici, il a dit, c'est toi, c'est ce qu'on va rentrer. Si c'est ton père, mais il faut dire, chérie, pardon. Oh, c'est tu me tombes, ça me fait mal. Là, j'ai réglé ça. Tu as tué ça maintenant. Voilà pourquoi les gens qui assis en train, un zombie. Même quand on est devant lui, ça dit rien. Dis, c'est pas normal. Hein. C'est tout son nom de Dieu, je m'en vais. C'est pas que la vraie vie, tu te souviens. Alléluia. Ah. On attend le Seigneur. Et bien, donc, dis à quelqu'un, ne jugez pas. Quand on vous jugera du jugement que vous jugez. Et l'on mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Quand moi je te dis donne-moi un litre d'huile, tu triches non. Un litre n'est pas arrivé, tu as trafiqué. Un litre n'est pas arrivé. Alors que c'est un tiers. Ou bien deux tiers. Tu ne mets pas. Non, c'est arrivé. C'est pas arrivé. Si on voit chez notre boutique là, c'est petit. Ou bien beaucoup que pour toi. Tout ça là, on va aller juger ça. Dieu dit si tu fais comme ça. Dis c'est vol. C'est vol. Donc toi aussi dans la vie de Dieu, tu as des problèmes. Comme tu n'as pas été juste, c'est comme ça aussi les gens seront injustes avec toi. Donc va dire non, c'est commerce. C'est comme ça qu'on peut gagner l'argent. Non. L'argent là, si c'est mal acquis, ça va finir vite dans ta main. Mais si l'argent là, c'est bon l'argent, tu vas faire des choses avec.
Elles ont acclamé le Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Je vais sauter quelques versets, il va aller un peu devant. Le verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Bible qu'elle a déjeuné l'Apocalypse, le résumé, c'est ça qu'elle a. Matthieu 7, verset 12. Dieu dit, toute la loi et toute la Bible sont résumées. Ce que tu veux que les gens vont faire pour toi, toi aussi, il faut faire ça pour eux. C'est pas souvent quand je vais donner quelque chose à quelqu'un, il donne ce qui est bon à la personne. Lui me dit non, passez, non, on prend. Comment il fait? Si tu connais la Bible là, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Avant, on va trier ce qui est bon et puis on va ce qui est gâté. Dieu dit, si tu fais comme ça, il est fâché. On n'a pas changé. Donc nous les Ivoiriens, on s'en va à l'ambassade de France. Ambassade de Belgique. Pour aller où? Dans un pays, non? Si on est arrivé là-bas, là, et quand on nous rapatrie là, c'est bon. C'est quand on veut, on a fait un poumon ailleurs, dans un parti. Ceux aussi qui sont venus dans notre pays, on a fait ça pour eux. Tu as compris? Le monsieur là, il est bambara. La femme là, elle est timide. Toi, tu as dit. C'est pas même religion, c'est pas même ethnie. Si un jour tu as ton frère Ami qui est là, et puis la femme timide là, le monsieur bambara là, ce que tu veux donner à ton frère Ami là, pour les mêmes choses aussi à ceux qui sont là-bas. Si tu fais comme ça, tu vas voir que ton pays a de la ligne. Donc tout le monde doit changer. Bien que tout le monde doit changer. Dieu, on doit tous changer. Dernier point. Vivez entre tous comme des frères. Parce que l'Éternel est votre Dieu et votre avenir. Je vous dis encore. Dieu est notre Dieu et notre avenir. On n'a pas notre avenir. Quand vous avez la situation dans Côte d'Ivoire, qui peut vous sourire? Votre avenir, c'est Dieu. C'est quoi? Vivez comme des frères. Que tous les bêtés enlèvent dans leur cœur. On va massacrer les gens gagnants. À gauche. Où le corps allait tuer. Calmez-vous. Que tous les cerveaux, tous les Guinéens, tous les Coyotes, les Tunisiens, les Guinéens, les Maliens, les Burkinabés, que tous, chacun n'a qu'à prendre sa marche pour aller au champ. Il va couper l'homme. L'homme, c'est pas bien. Chacun n'a qu'à arrêter ça. Dès que tout le monde est frère, tout le monde est sœur. L'heure d'arriver, on doit changer. Dis, on doit changer. Nous ne sommes pas des sauvages. Tous les pays avancent, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le sud. Changeons. Changeons. Dis avec moi, changeons. Changeons et craignons Dieu. Dis avec moi, craignons Dieu. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vous pouvez prendre ce passage que vous lisez après. Parce que moi, dans mon cœur, je veux finir avant 13 heures. Alléluia. Amen. J'ai duré avant de venir. Il y a une espèce. Donc, vous pouvez prendre ce passage pour lire à la maison. Exode 22, verset 21. Exode 22, verset 21. 1 Roi 8, verset 41 à 43. Lévitique 19, verset 33 et 34. Marc 12, verset 30 et 31. 1 Jean 4, verset 7, 8 et 21. Ça parle de l'amour. Je vais lire le tout dernier passage. 1 Jean 4, verset 7, 8 et 21. 1 Jean chapitre 4, verset 7, 8 et 21. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 7, 8 et 21. Je lis, bien aimé. Aimons les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Même si tu es musulman, tu es chrétien. Le Seigneur, si tu n'aimes pas ton prochain, c'est que tu ne connais pas Dieu. Pour prier, tu fais la séquence. Lui qui aime l'homme, c'est lui qui connaît Dieu. Donc, affaire de religion, est-ce que ça va pas arriver? Faut pas se blaguer. C'est le jour où tu vas arriver, tu vas voir le pasteur qui a porté long chapeau sur les têtes là. Dieu a pris la vie, maman. Tu as dit, Dieu, c'est mon père. Bah, allez, je m'en fous de ton père. Est-ce que tu connais ce qui vient? Parce que le jugement dernier, tout ce que tu caches que les gens ne voient pas là, Dieu va me sortir sur le grand. Tout le monde va réaliser. Au chemin de l'île, il n'y a pas matin, il n'y a pas le soir. Tout le jour, c'est matin. La gloire de Dieu, là, c'est comme soleil. Ça brille partout là-bas. C'est plus grand que la terre. Tous les gens qui sont morts avant le temps d'Abraham, jusqu'à notre temps, eux tous seront là. Même les gens qui sont morts dans l'eau, ils vont revenir.
Ceux qu'on a enterrés vont revenir. Ceux qui sont morts dans le feu vont revenir. Les gens qui ont coupé leur tête, tu allais faire sacrifice avec eux tous, la tête va revenir selon là. Vous allez vous voir faire. Tu as pris l'oreiller pour étouffer le monsieur dans l'hôpital, il est mort. Il sera devant toi. Moi, je demande pardon. Aujourd'hui, là, si tu as entendu ce qu'il y a dit, il faut demander pardon. Pour pardonner ton frère, pardonner ta soeur. Pour que quand tu vas mourir, Dieu va te pardonner. Tu as un tout paradis. Dieu a dit, aimons-nous. Encore aimons-nous. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Verset 21. Et nous avons de lui, nous savons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ça veut dire que tu pries Dieu, tu es obligé d'aimer ton frère. Donc que la paix et l'amour, l'hospitalité, s'attachent à l'âme de la Côte d'Ivoire et à l'esprit de la Côte d'Ivoire aujourd'hui jusqu'au retour du Christ. Au nom de Jésus. Disons avec très très fort. Passage de la semaine à méditer. Passage de la semaine à méditer. On a fini, hein, la prière du pardon. On a fini, je sais que tu vas dire parce que ça dure. Ça n'a pas duré. C'est quand moi il vient sa compte. Pour moi, là, c'est quand il vient sa compte. Sinon, premier qu'on a fait là, c'est pour chasser les babraou. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde a entendu ce qu'il a dit? Voilà. Donc si on sort ici là, on en a pas comment? Même si tu vois, ils sont venus te provoquer. Va attraper ton cœur. Passer d'abord là, il m'a parlé. Hein. C'est bien Jésus, c'est vrai, c'est pas chrétien, mais c'est qu'il a dit à la vérité. Moi, il a laissé sa croix de Dieu. C'est à fond, c'est vrai. Faut laisser sa croix de Dieu. Même si ce n'est pas ton grand frère, c'est ton petit frère, faut faire la croix de Dieu. Laissez trouver tout ça. Méditation de la semaine. Arrivez à la maison, vous pouvez lire ça jusqu'à dimanche prochain. 1 Jean 3, 1 Jean 4. 1 Jean 3, 1 Jean 4. Il n'est pas déjà un. 1 Jean 3, 1 Jean 4. 1 Thessaloniciens 4. Ça va vous enseigner beaucoup de choses que je ne vais pas donner les détails. Il y a plein de passages qui sont soutenus. Je fais juste un petit résumé. 1 Jean 3, 1 Jean 4, 1 Thessaloniciens 4. Genèse 15, Exode 23. Genèse 15, Exode 23. Genèse 15, Exode 23. Deutéronome 17, 1 roi 8. Deutéronome 17, 1 roi 8. Deutéronome 17, 1 roi 8. Lévitique 19, 1 Timothée 3. Lévitique 19, 1 Timothée 3. Lévitique 19, 1 Timothée 3. Tite chapitre 1, Romains 12. Ce que je veux dire là, ce sont les sourates. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les sourates que je vais vous donner semaine là. Ils vont prier avec vous. Il dit ça. Est-ce que vous avez compris? Comme ça, mon fils. Quand on finit, il n'y a plus la semaine. Tite 1, Romains 12. 1 Corinthiens 13. Somme de la semaine. 1 Timothée 3, Tite 1, Romains 12. 1 Corinthiens 13. Somme de la semaine. Tu fais une fois par jour. Une fois par jour. Matin, quand le soir, c'est une fois par jour. C'est ce qu'il y a reçu, c'est ce qu'il vous dit. Donc, si tu veux, tu fais ça matin. Tu veux, tu fais à midi. Tu veux, tu fais le soir. Mais une fois par jour. Dis amen. Somme de la semaine, c'est un somme de dégueu. Somme 129, 130 et 131. Somme 129, 130 et 131. Les trois sommes font un seul somme. C'est un somme de dégueu. Donc, on fait ça à la maison. Une fois par jour. Une fois par jour. Ça peut aller? Ok, bien quelqu'un, ok. Frère, bien quelqu'un, frère. On a dit, viens de voir, c'est libéré. Avant toute chose, si tu es venu à l'église avec ton offrande, tu peux prendre ton offrande, nous allons prier au nom de Jésus. C'est ça qui est là? Si c'est ça qui est là, tu es là simplement. C'est ça? Ok. Merci.